Salut tout le monde, je vais parler aujourd'hui de la BD Donjon, et plus particulièrement du tome Armageddon, qui est le troisième tome de la période Crépuscule. Et si je me trompe pas, les deux premiers tomes de Crépuscule, ils avaient été dessinés à quatre mains par Trondheim et Sfar en même temps, ce qui donc donnait un truc un peu étrange et assez chouette au niveau du rendu, mais ce troisième tome a été dessiné uniquement par Sfar, et c'est un des aspects qui fait aussi que c'est mon tome préféré de Donjon, et quand même de manière encore plus générale, c'est vraiment une BD qui a une place vraiment très particulière pour moi. Et Sfar notamment, je sais que c'est un auteur qui peut rebuter par beaucoup d'aspects différents, son côté intello très propre sur lui, qui présente bien, qui a fait des études de philo, je sais pas quoi, avec notamment des thématiques et des obsessions, enfin bref, tout un package qui rattache Sfar à cet imaginaire de bourgeois parisien littéraire et qui traîne avec lui ses côtés agaçants. Mais ici, pour ce donjon-ci, on est en 2002 et donc toute cette période qui entoure l'année 2000, c'est le moment où il dessine la première série de Petits Vampires, c'est aussi le moment où il dessine Sardine de l'espace et les tout premiers tomes de Chat du Rabbin. Et pour moi, vraiment à cette période-là de Sfar, on est vraiment à son pic en termes de charme et de beauté de son dessin, dans un équilibre vraiment qui, je trouve, fonctionne super bien dans le côté très fouillis au très tremblant et tout ça, et aussi sa grande capacité à être dans du dessin très relâché, très écriture et tout. Et vraiment, son dessin, il a trop de charme, et dans Armageddon, ça va trop trop bien servir tout l'aspect très magique, ésotérique du récit, et vraiment toute l'ambiance de cet album, en plus aidé par la mise en couleur de Walter, hein, qui carie les albums de Donjon depuis le début, je pense, et encore maintenant. Et notamment toute la première partie, elle est magnifique en termes d'ambiance, encore une fois, avec ce ciel gris bleu, les nuances de vert qui sont utilisées et tout ça. Vraiment, c'est fait avec vraiment beaucoup beaucoup de soin. Et de manière plus générale, un donjon, c'est une série qui va retrouver un peu les deux facettes que sont Sfar et Trondheim. Ou par exemple, l'autre jour, je lisais le bouquin Désœuvré de Trondheim qui parle de sa première période de vacances, en gros, qu'il a pris en tant qu'auteur, et de la position dans laquelle ça l'a mis de ressasser certaines de ses pensées, réflexions et obsessions et tout ça. Et donc, il retranscrit dedans des discussions qu'il a avec ses potes auteurs. Et donc, dedans, il y a Sfar qui dit que Trondheim, lui, il a intellectualisé son approche de la bande dessinée, tandis que Sfar, lui, il considère qu'il dessine avec l'énergie sexuelle, qui est d'ailleurs quelque chose dont il va parler dans son premier bouquin du Chat du Rabbin, une espèce d'idée de convertir une énergie sexuelle, oh, de la spiritualité ou de la création artistique et des choses comme ça. Et donc voilà, on a un peu cette idée d'un côté Trondheim le pragmatique et Sfar le gars plus mystique, mais qui est dans le même temps dans cette approche de à la fois montrer la beauté et la richesse de la pensée spirituelle, on va dire, pour un peu grossir le trait, hein, tout en les retranchant un peu dans leur côté absurde. Et donc cette dualité entre deux personnalités va complètement faire l'identité de Donjon et va s'incarner de diverses manières, et pour commencer avec d'un côté Marvin qui représenterait davantage Sfar et Herbert qui représenterait davantage Trondheim. Herbert qui est presque un archétype de personnage chez Trondheim, un perso avec des airs faussement naïfs, faussement candides, qui sont aussi appuyés par le type de dessin de Trondheim, mais qui au contraire est assez pragmatique et même un peu froid d'une certaine manière, et qui est un peu mou comme ça, qui a pas l'air d'avoir forcément de grosses convictions à défendre. Et donc à ce niveau-là, c'est un peu l'inverse de Marvin, qui lui au contraire va presque avoir un code de conduite. Et donc ce type de personnage chez Trondheim, ça leur amène aussi à avoir une moralité extrêmement grise comme ça, où ils vont parfois perpétrer des actes de cruauté et tout ça, mais sans que ça soit un enjeu scénaristique, un enjeu moral qui va être discuté, etc. Et donc c'est des persos qui peuvent être des good guys comme ça, mais qui sont quand même dans une espèce de détachement du monde qui est un peu étrange. Enfin bref, je suis pas un spécialiste de Trondheim, mais il y a vraiment un truc très archétypal chez lui, d'un schéma de personnage qui revient souvent, et qui, si je me souviens bien, a l'air d'être un peu remis en question et évolué dans Ralphazam, justement, sa série plus récente, où justement il va y avoir davantage d'interrogations morales et tout ça par rapport à ce type de personnage. Et du coup, Donjon, bah, c'est un univers assez cruel quand on y réfléchit, où la valeur de la vie, c'est pas trop un enjeu dans cet univers. Et ça peut même rappeler des missions à la Donjon et Dragon, justement, où tu vas aller tabasser un village orc pour aller récupérer des babioles ou parce que c'est une quête et tout ça, mais on va pas tout d'un coup te faire popper au fin fond d'une hutte les enfants de l'orc que tu viens de tuer, qui sont occupés de pleurer dans un coin et qui vont te renvoyer à la gueule l'acte cruel que tu viens de perpétrer. Et que dans ce genre de quête, comme dans Donjon, c'est pas le but, ce qui est recherché dans le propos de l'histoire, et donc ça va encore une fois être passé sous silence, ça va être mis sous le tapis. Et c'est sûr qu'il y a un côté pied dans les pantoufles, il y a un côté confortable à ce genre de positionnement pour faire des histoires dans une attention presque amorale et apolitique comme ça, mais c'est pas aussi simple dans Donjon, vu qu'il y a quand même une auto-réflexion sur le type d'univers qu'il raconte, et notamment bah, dans le tome Les Profondeurs, où on a les aquabonistes qui avaient d'abord été montrés comme des trash mobs à buter à la chaîne, et ici au contraire ils vont chercher à les humaniser davantage et à justement avoir un discours critique sur le racisme qui est appliqué sur ce peuple. Enfin bref, c'est compliqué. Mais du coup, ce que je disais par rapport à Marvin, lui qui au contraire est quelqu'un de très religieux et qui suit donc les préceptes du draconisme, qui a un ensemble de règles qui crée des situations assez marrantes, hein, comme le fait que quand on l'insulte, il n'a pas le droit de taper la personne qu'il a insulté ou des choses comme ça. Il y a aussi le fait qu'il soit végétarien, donc aussi dans une idée de posture morale et de conviction forte chez ce personnage, tandis que Herbert, lui, il est herbivore, comme le sont tous les canards dans Donjon, je crois, et donc lui non plus ne mange pas de viande, mais c'est pas du tout par conviction, quoi. Et donc voilà, c'est ces deux facettes qui ont beaucoup de points communs, mais comme
même temps s'oppose sur certains aspects, qu'on peut retrouver de manière générale comme mécanisme de création de relations, de narration et tout ça dans Donjon, qui dépasse donc bien largement ces deux seuls protagonistes. Et bref, du coup, ce que je vais faire ici, c'est un peu revisiter cet album page par page et de voir un peu, donc ce qui est un peu la spécialité de cette chaîne, la mise en scène de Sfar et de Trondheim, parce que je sais pas trop comment décorréler les deux, vu qu'ils font exprès de pas différencier leur rôle, même quand ils dessinent à quatre mains, comme les deux premiers albums de Crépuscule. Même si, d'après une interview que j'ai vue de Trondheim, il a l'air de davantage dire qu'ils réfléchissent à l'idée et à l'histoire à deux, mais que le découpage concret, c'est davantage lui qui le fait. Mais bon, dans une histoire où c'est Sfar qui a entièrement dessiné le bouquin, vu que Sfar c'est un auteur complet aussi, on sait pas trop ce qu'il en a ici, quoi. Et donc, bref, pour cette vidéo, de voir comment ils utilisent le découpage, l'emplacement des bulles, la mise en scène du texte, de la gestion de l'espace de leurs pages et tout ça, pour raconter leur histoire et notamment porter un propos. Et du coup, ici, on est dans la suite assez directe de l'album précédent, où le Roi Poussière et Marvin ont été au volcan des Vaucansons. Ils y ont foutu la merde, le Roi Poussière a perdu ses bras, etc. Et du coup, voilà, Marvin, qui est devenu le Roi Poussière avec le temps, c'est un personnage qui porte en lui une espèce de légende, notamment parce qu'il est là vraiment depuis le tout début du récit, qu'on a donc une espèce de parcours de sa vie, de bout en bout, de son enfance à sa vieillesse. Et puis son nom aussi, son aspect d'aveugle, de moine, comme ça, vu que le slip qu'il a autour de lui, il l'a fait à partir de sa peau qu'il s'est arraché lui-même. Et ce qui fait qu'il a un slip orange qui peut rappeler aussi les des moines bouddhistes, qui l'ancre aussi donc dans ce concept de personnage spirituel, qui a une certaine sagesse et tout ça. Et là, en plus, à ce moment du récit, avec ses bras en moins, c'est vraiment un personnage qui porte énormément de choses rien que par son aspect, et que même si tu le connais pas, tu sens qu'il raconte une histoire complexe, quoi. Et bref, ce perso, dans tout ce qu'il représente, et en plus, à ce moment-là où il en a de sa vie et tout ça, c'est pas étonnant que Sfar ait mis la main dessus pour cet album-ci, parce que je pense qu'il est vraiment à même de sublimer ce genre de personnage, tant en termes d'esthétique qu'en termes de caractère. Et du coup, pour commencer à parler de mise en scène, c'est aussi un album qui va avoir comme particularité d'utiliser assez activement les encadrés narratifs, où globalement ça va être utilisé trois fois pour introduire l'album et pour le conclure, et aussi une autre fois où ça va être utilisé pour expliquer des situations un peu compliquées, parce que c'est un album qui doit être mis en parallèle avec deux autres albums qui se déroulent en même temps, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent, et prendre en charge en partie l'information grâce aux encadrés narratifs, c'est un bon moyen de rendre les choses un peu plus faciles dans ce genre de bande dessinée où il y a à peine une quarantaine de pages et où la narration est extrêmement condensée. Mais dire qu'il y a des encadrés narratifs dans une BD, ça suffit pas pour expliciter le type de mise en scène et l'impact qu'il a et de la manière dont ce texte est utilisé. Et donc on voit qu'ici, sur cette première page, c'est d'abord mis en place pour mettre un narrateur extérieur qui va faire un petit topo sur la situation. Mais on voit déjà de la manière dont Sfar arrive à intégrer ce texte-là de manière très organique, où ça va rentrer complètement dans le visuel graphique plus global de son dessin, de ses cases et tout, avec le visuel très flottant, arrondi, du contour de ses cases qui va faire écho avec l'encadré. Et un truc intéressant, c'est que c'est un truc qu'il a fait également dans Petit Vampire, c'est que donc dans les bulles de dialogue, il va mettre son écriture manuscrite mais en lettres imprimées, donc comme c'est fait de manière classique de la bande dessinée, tandis que dans les encadrés narratifs il va mettre son écriture normale, on va dire comme nous on écrit tous les jours, avec un truc continu et de lettres collées les unes aux autres. Et je trouve ça intéressant ce choix, déjà parce que c'est dur de mettre des mots dessus parfois, mais l'aspect de l'écriture va aussi donner une espèce de ton, et les dialogues vont ressortir différemment selon la police d'écriture dans laquelle ils vont être mis. Et c'est aussi ce qui différencie une bonne adaptation de bande dessinée, ou par exemple pour la nouvelle édition française de Crazy Cat, la maison d'édition Les Rêveurs se sont fait chier à créer une police d'écriture sur base de lettres qu'a réellement tracé George Herriman, et donc il y a une cohérence qui est maintenue, tandis que par exemple pour l'adaptation de Pogo, en tout cas la dernière que j'ai vue en date, c'était vraiment affreux parce qu'ils ont mis une typo dégueulasse, alors que tu vois qu'à la base l'auteur à quel point il prend soin de la manière dont il rédige son écriture dans cette bande dessinée, et ça a complètement été salopé dans l'adaptation, et du coup le ressenti global des pages et le ton des dialogues va aussi en être altéré, quoi. Et même chose pour la nouvelle version de Dragon Ball en français par rapport à celle que j'ai lue dans mon enfance, vraiment ça change complètement, je trouve, l'ambiance des pages par rapport à ce que j'ai connu, et même le ton des dialogues, encore une fois. Et donc c'est pas des petits changements, c'est pas des petits impacts, quoi. Et moi j'aime toujours bien quand les auteurs et autrices utilisent leur propre écriture pour leur bande dessinée, parce qu'il y a forcément une espèce de cohésion graphique qui se fait entre la manière dont une personne écrit et la manière dont elle dessine. Et ici l'écriture déliée de Sfar dans les encadrés, ça donne vraiment un aspect beaucoup plus sympathique et léger à lire, et donc ça va participer à rendre la lecture et le graphisme global de la page plus organique, et donc aussi venir compenser un défaut que peuvent avoir les encadrés narratifs un peu longs, qui vont, de par leur graphisme, de par la narration plus extérieure, etc., parfois donner une impression de coupure dans la narration qui peut venir un peu gêner. Et du coup, il existe plein de moyens différents, plus ou moins voyants, de venir atténuer cet aspect-là. Et du coup, pour revenir sur la première page, on voit que le récit s'ouvre sur une longue case de la taille d'un strip, ce qui est donc un bon type de case et d'occupation de l'espace pour nous faire rentrer dans un récit, pour installer un décor un peu global et tout ça. Et aussi pour introduire l'album, pour nous faire rentrer petit à petit dans l'histoire, on a d'abord un seul type de texte, l'encadré narratif. Et puis sur la voix dernière case, ça se mélange avec du dialogue, pour ensuite ne mettre plus qu'une
uniquement du dialogue sur la dernière case. Donc voilà, on voit sur cette page qu'il y a une progression dans la narration et donc dans la mise en scène du texte qui se fait en 3 temps. Et du coup, le principe avec les dragons dans la série Donjon, c'est que quand ils perdent un pouvoir, ils en gagnent un autre. Par exemple, quand Marvin avait perdu ses ailes, il avait gagné en échange le fait de cracher du feu, donc le Tongue d'homme. Et ici, en échange de ses bras, il a gagné un pouvoir de nécromancie. Et ce pouvoir, il dit qu'il l'avait déjà eu auparavant, et c'est pour ça qu'on l'appelle le roi poussière. Et d'ailleurs, le tome dans lequel il va effectivement utiliser son pouvoir la première fois est paru il y a pas très longtemps dans un Donjon Monster, qui en plus a été dessiné par David B, donc que du plaisir. Encore un auteur dont le dessin appelle facilement au mystique et à l'ésotérisme. Tiens. Et donc dans Donjon, il y a toujours ce côté à la fois de montrer quelque chose de ridicule et de très puissant, avec par exemple l'elfe qui pouvait faire pousser des poils sur quelqu'un, et donc a priori c'est assez ridicule, mais en fin de compte, dans un duel de sorciers, ça te permet de faire pousser des poils dans la gorge de ton adversaire, ce qui l'empêche de jeter un sort, et en plus grâce à ça, bah tu peux l'étouffer jusqu'à la mort si t'en as envie. Donc voilà, basse ridicule qui permet de faire de l'humour, tout en faisant des retournements de situation et des exploitations d'idées assez malines. Et ici, ce pouvoir extrêmement puissant de Marvin va d'abord être montré par lui, qui fait danser le cadavre d'un petit poulet. Ce qui est donc assez marrant, mais même malgré ça, grâce au dessin de Sfar, avec tous ces petits traits, l'ambiance entourée de noir et tout ça, l'ombre portée, ça donne des chouettes scènes aussi en termes, encore une fois, d'ésotérisme, d'imagerie vraiment très forte qui marque et peuvent rester dans la tête, quoi. Ensuite, on tourne la page, ce qui permet donc à Trondheim et Sfar d'opérer une ellipse dans le temps et de faire une transition de scène, où Marvin vient alerter le village parce qu'il a aperçu pendant sa ronde que l'armée des Vaucansons venait pour les attaquer. Et pour permettre aussi cette narration très elliptique, bah on revient sur de la narration prise en charge part du texte par un narrateur extérieur. Mais déjà, un truc pour ne pas tomber dans une routine, il y a déjà une variation assez intéressante ici, car dans deux de ces encadrés, on va avoir du dialogue entre Marvin et le roi poussière, plutôt que de les faire intervenir avec des bulles. Et ce qui est donc aussi un moyen de donner un ton particulier à leur dialogue, et notamment dans la quatrième case ici de ce strip, où je trouve que le texte, donc, qui dit « Mais vous n'arrivez même pas à manger dans une assiette », et puis le roi poussière qui répond « Je mangerai sans assiette, filet », je trouve que ce texte fonctionne bien aussi parce qu'il est mis en scène de cette manière-là, plutôt que s'il avait été mis en scène avec des bulles, et ce qui permet aussi de montrer un décalage entre l'action de parler et l'image qui nous est montrée. Même si dans la BD on peut parler en fermant la bouche, ici normalement pour suggérer quelqu'un qui parle, vu qu'il n'y a pas de bulle directement pour montrer cette action là, normalement bah il aurait fallu plus assister pour montrer que Marvin était effectivement occupé de parler, de prononcer ces paroles là. Mais ici c'est pas montré, et donc il y a une espèce de décalage entre l'image qui nous est montrée et l'encadré narratif, ce qui est effectivement quelque chose que permet ce rapport texte-image, quoi, comme dans un livre illustré ou quoi, où on va avoir un gros bloc de texte avec une illustration à côté qui va pouvoir être en décalage en partie par rapport au texte qu'on a lu pour apporter une plus-value différente. Et donc cette idée de décalage que permet cette mise en scène de texte va être utilisée plusieurs fois dans cet album, et c'est assez intéressant. Et du coup on voit qu'ici, pour mettre une continuité narrative et de séquence et tout, on voit que la dernière case de la page de gauche et la première case de la page de droite ont des gros liens graphiques entre elles, avec l'armée de dragons qui s'est rapprochée, un zoom sur Marvin, et aussi forcément la correspondance de la taille et la forme des cases. Et un truc que j'aime bien chez Sfar, c'est ces petits moments où il y a une espèce de souplesse supplémentaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la représentation du temps, du mouvement et tout ça. Ou par exemple ici sur cette seconde case, on voit la cavalerie qui est déjà très proche de Marvin et qui commence à lui tirer dessus, qui est déjà magnifique en termes d'image, avec le casque des canards qui est vraiment bizarre parce qu'il doit y avoir la forme de leur bec dedans et tout, et puis les gros fusils beaucoup trop longs et tout, enfin bref c'est vraiment cool. Mais aussi en termes de décalage, parce qu'il est déjà occupé de se faire tirer dessus, les ennemis sont très proches, et juste après on met le roi poussière prononça le mot de 72 lettres qui lui permet en un instant de déployer tout son pouvoir. Et donc dedans il y a quelque chose qu'on peut presque qualifier d'un peu illogique en termes de représentation de la temporalité, de suite d'une action et tout. Et par rapport au texte décalé, par exemple, il y a ici sur cette case où on dit l'armée entière arrivait en brûlant tout sur son passage. Pour quand même être un peu cohérent, Sfar il a mis vite fait des petits nuages noirs vraiment tout au fond de la case, et on voit un dragon cracher du feu qui n'arrive pas du tout sur le sol et tout, et donc il y a une espèce de décalage entre ce qui est dit et ce qui nous est montré, et ce qui veut aussi se refaire d'une certaine manière sur la case suivante. Et par exemple ici encore une autre idée du texte qui va prendre en charge une action à la place du dessin, où le roi poussière ici s'est mis qu'il va se revêtir d'une carcasse de saurien, il lui s'enfile une armure vivante munie de 4 bras solides, mais on sait pas trop comment il est rentré dans cette armure en fait. C'est vraiment le texte qui nous fait accepter qu'on passe d'une case à l'autre avec tout d'un coup le roi poussière qui est engoncé dans son armure d'os. Et moi je trouve ça assez intéressant, assez marrant de se permettre ce genre de souplesse que Sfar fera plusieurs fois, hein, plutôt que d'être forcément dans une stricte application de que ce qu'on doit faire dans une BD pour bien rejoindre des cases et des temporalités ensemble et tout ça, ce qui est donc un enjeu important de la narration d'une BD, vu qu'on nous montre uniquement des dessins figés qui s'enchaînent. Et ben Sfar il met davantage de la souplesse, ça fait vraiment partie du ton et de l'ambiance et de l'atmosphère aussi du coup qu'il arrive à apporter
rentrer dans cette bande dessinée et qui est vraiment une belle utilisation, je trouve, de justement de la bande dessinée comme moyen très souple de représenter de l'action, des séquences, et que réussir à s'affranchir de certaines règles presque tacites de qu'est-ce qu'une bonne narration de la bande dessinée, c'est vraiment assez intéressant chez Sfar, quoi. Et du coup, ce qu'on voit aussi sur cette page, c'est la manière dont elle est structurée. On voit qu'elle est divisée en deux groupes de cases différentes, l'un horizontal et l'autre vertical, et qui va donc d'abord montrer l'arrivée de l'armée, et puis la phase de nécromancie du roi poussière. Et un autre truc aussi, c'est qu'on voit que la case du milieu sert un peu de tampon entre les deux séquences, vu que déjà bah, elle est au milieu, elle prend tout l'espace du strip et tout, et aussi bah, elle n'a pas d'encadré narratif, et donc ça permet de passer d'un passage de narration à une seconde phase de narration différente. Et du coup, ensuite on tourne la page et on a une grande image un peu spectaculaire, avec vraiment un truc assez étrange au niveau de la représentation du crachat des dragons, avec ces espèces de grosses gouttes comme ça qu'il va aussi utiliser un peu plus loin pour représenter la pluie lors du flashback de la petite chauve-souris, et que j'aime vraiment bien. Et donc là, c'est intéressant parce que sur les trois petits encadrés narratifs de cette case, on a d'abord le grand khan était défait, ce qui ici raconte un peu ce qui nous est montré directement, en gros qu'il part la bataille, et puis Papsukal fut déchu, donc ça c'est son fils, et puis le frère de Papsukal, Eléasien, devint le nouveau duc. Et donc là, on a une narration qui déjà se projette davantage dans le futur sur les conséquences qu'auront eu cette bataille là. Donc déjà, ça montre l'espèce de souplesse très pratique dans ce qu'on peut faire avec ce type de texte extérieur, et en plus c'est une narration qui se fait au passé avec des mots un peu jolis et tout ça. Ça renforce aussi l'aspect mythologique de cette séquence, où on nous raconte un grand récit du passé qui a eu lieu et qui est déjà quasiment un mythe. Et ce qui est pas mal aussi, je trouve, pour justifier le côté Deus Ex Machina du pouvoir de Marvin qui tombe pile au bon moment à côté du cimetière des dragons et qui lui permet de, juste cette fois-là, pouvoir défaire une armée entière. Le fait que ça soit raconté à la troisième personne, au passé et tout ça, ça donne un ton qui nous fait encore davantage accepter ce truc-là, je trouve, et qui place donc ce moment de récit un peu en dehors de logique scénaristique un peu plus bas du front pour nous proposer quelque chose de plus grandiose et mythologique encore une fois. Et du coup, ici, on voit de nouveau que la page est divisée en deux séquences différentes. D'abord la grande case du dessus, et puis le strip de longue case verticale qui va raconter le moment où le roi poussière poursuit le grand khan parce qu'il veut discuter avec lui, et donc ça montre un autre moment de la bataille. Et en plus, les cases verticales, c'est très bien pour accompagner l'idée d'une chute à la fin, vu que le roi poussière perd son pouvoir, et donc toute sa magie de nécromancie s'effondre en même temps que les dragons. Et donc la page finit par une case noire, qui est donc bien pour conclure une scène et aussi le montrer, le fait qu'il perd connaissance, ce qui est donc dit juste après, il perdit connaissance, sur la grande page blanche de la droite, où ici on reste dans une écriture et dans une logique d'encadré narratif, avec une narration extérieure, mais qui n'est pas mis dans un cadre justement. Et donc c'est encore une évolution intéressante de la manière de mettre en scène ce type de narration. Et donc ici, je vais déjà parler souvent de cette page-ci, cette page blanche, je trouve que ça induit bien cette idée de monde, de rêve, de purgatoire comme ça, donc Marvin est occupé de rêver ou d'halluciner à ce moment-là. Et donc on a une suite de séquences de narration logique avec une évolution de son mouvement, de ses bras qui poussent et de son dialogue et tout, mais aussi une impression, grâce au fait qu'il n'y a pas de case et qu'on est vraiment directement sur le blanc de la page, une idée de Marvin qui est occupé de errer dans le vide comme ça, et qui fonctionne vraiment bien. Et c'est toujours intéressant de dire aussi l'aspect non linéaire d'une lecture de BD, vu que cette page de droite, on en prend forcément compte avant même de commencer la lecture linéaire de la double page, qu'on le veuille ou non, même si on ne sait pas forcément complètement l'identifier. Et ici, même si je ne sais pas vraiment dire quel impact concret ça a dans notre tête, dans notre expérience de lecture et tout, ça reste intéressant peut-être ici déjà de se dire qu'on est dans une idée de savoir qu'une scène va se conclure avant même qu'elle ne se conclue concrètement. Et du coup, double page après, on a l'introduction pour la première fois du personnage de Gilberto, qui est donc une espèce de chaman qui carbure beaucoup à la drogue, aussi bien pour faire sa magie que pour son plaisir, quoi. C'est un magicien junkie, avec ce genre de perso, on peut vite tomber dans une caricature un peu malaisante de cette vision du Rastafari qu'on a tous déjà vu en mode You Make, Peace et tout ça. Mais heureusement, ils sont pas tombés là-dedans, en tout cas pour cet album-là, parce que je pense avoir déjà vu une représentation de Gilberto par un autre dessinateur et tout, où c'est en mode vraiment avec le gros cône de joint et tout, et là ça devient un peu plus nul, je trouve. Mais bref, il est dans cet imaginaire d'hippie et notamment ici, il joue du tam-tam. Un tam-tam araculaire, et donc dans le bloc de texte, c'est dit de manière un peu empoulée comme ça. Un seul chaman maîtrisa à ce point la rythmique, et puis c'est retranscrit de manière vraiment rigolote avec les toum-toum-toum mis dans des petites bulles comme ça. Avec l'écriture de Sfar, la manière dont ce texte est mis en scène de manière vraiment banale et rigolote comme ça, il y a une espèce de décalage entre le ton classe de la première personne de l'encadré narratif et ce qui est mis en scène par Sfar. Après, on peut quand même voir de la mise en scène très régulière, très répétée, dans des longue bulle continue, des toum-toum dans les quatre premières cases, quand même une manière de quand même représenter la fameuse rythmique maîtrisée de Gilberto. Et c'est aussi ce truc-là que parfois on va voir que le toum-toum est mis en arrière-plan par rapport au décor ou par rapport à une bulle de dialogue, etc. Dans le premier cas, pour montrer aussi la place physique en arrière-plan de Gilberto qui est lui-même en partie caché derrière le décor, et donc quelque chose qui arrive aussi progressivement à notre regard, à notre conscience, et qui occupe vraiment toute la largeur du strip et toute la longueur du décor, et qui donc participe vraiment aussi à cette idée de poser une ambiance globale. Et dans le second cas, donc quand Marvin
Quindi Gilberto. Mettre les Tum Tum à l'arrière, c'est un truc que la BD peut faire pour faire une espèce de hiérarchie entre les sons. Même si dans la réalité, les sons se mélangeraient davantage dans la BD, on peut mettre en retrait un son quand on en a besoin, et donc ça va se faire graphiquement forcément. Ou ici, la mise en scène, ça va être pour insister que le son est présent en même temps que la phrase de Marvin, et du coup aussi pour montrer qu'il réagit par rapport à ce son, vu qu'il reconnaît Gilberto grâce à son doigté pour le tam-tam. Mais après, on voit aussi que la mise en scène du Tum Tum est mise très différemment. Dans cette case, les bulles de Tum Tum et les bulles de dialogue vont davantage s'alterner, même si elles se déroulent dans la logique de la narration toujours en même temps. Et puis on nous montre un plan plus éloigné, et donc le Tum Tum, lui, va accompagner cette idée de dézoom et de son plus éloigné, mais dans le même temps, le dialogue, lui, va continuer de se remontrer de la même manière qu'avant. Et l'éloignement du Tum Tum à ce moment-là permet aussi, après, d'enclencher le fait qu'on ne va plus du tout l'entendre parce que Gilberto a fini par arrêter de jouer. Et donc voilà, cette page, je trouve ça intéressant comme exemple de toute la manière dont la mise en scène d'un texte va varier selon l'intention et le propos qu'il doit avoir à chaque moment donné, et que dans ces moments-là, il y a vraiment une idée de mettre en priorité la logique narrative, l'intention d'un dialogue, avant l'intention de vouloir retranscrire avec les moyens de la BD une logique physique proche de notre monde. Et dans cette case, j'aime bien le fait qu'il ait représenté Marvin occupé de baver, et en fait parce que selon le dessinateur qui reprend les personnages de donjon, ben certains dessinateurs vont davantage faire ressortir le côté humain des personnages, et d'autres davantage le côté bestial. Et vraiment ici, cette tête de reptile qui est occupé de baver presque inconsciemment comme ça, genre si t'as déjà vu une vache ou quoi, en vrai, tu vois que ça bave exactement de cette manière-là. J'aime bien le fait d'avoir des personnages comme ça où on peut jongler un peu entre les deux types de représentations selon ce qu'on a envie de faire ressortir du personnage, et aussi la manière dont Sfar va constamment jongler entre des dessins avec un trait très épais et sans petites ombres ou très peu et tout ça, et des dessins où il va beaucoup plus rentrer dans des petits détails tout en conservant un côté très jeté pourtant. Et c'est vraiment une alchimie qui fonctionne trop bien, que ce soit de case à case ou même au sein d'une même case, et vraiment j'adore sa manière de réussir à ombrer et tout ça, c'est vraiment trop cool. Et de quand il veut réussir à faire sortir un côté plus sérieux, tout en mettant par exemple ces dessins de petits oiseaux qui sont trop incroyables, trop excellents, qui d'un point de vue anatomique n'ont évidemment aucun sens, ils sont très cartoonesques, et d'en fin de compte réussir à tellement les synthétiser et nous faire accepter son système de dessin, de pensée de dessin et tout ça, d'en fin de compte pouvoir juste mettre un petit hachuré qui ressemble même pas forcément à des ailes d'oiseaux simplifiées, mais juste une petite tache noire comme ça pour nous suggérer un oiseau occupé de voler, et ça fonctionne trop bien, hein, je trouve ça vraiment super beau. Et du coup ici, entre les deux pages en vis-à-vis, on va avoir un dialogue qui continue, et donc il faut un peu atténuer aussi l'interruption que peut induire le changement de page. Donc ici, c'est assez malin d'avoir mis à la fin Marvin qui dit non, ce coup-ci c'est fini, je ne sens rien, avec déjà donc une forme de première petite conclusion à un dialogue qui va pourtant continuer, avec un plan qui lui veut aussi accompagner cette idée d'un peu plus de contemplation et de moments un peu plus laissés, dilatés. Et puis tac, sur la page d'après, on a un plan d'un seul coup beaucoup plus éloigné, et qui est pas du tout en contre-plongée ou quoi, qui est vraiment au niveau des personnages. Et Gilberto qui descend de son crâne, donc les persos qui commencent à s'éloigner et partir du décor là où ils étaient actuellement. Mais tout en mettant très directement en lien la réponse de Gilberto avec la phrase précédente de Marvin. Et donc d'à la fois apporter une évolution, une cassure, mais aussi une continuité entre les deux séquences sur deux pages différentes. Et un peu dans cette même idée de comment rythmer un dialogue par l'espace de la BD, on voit qu'ici, sur cette page de droite, il va y avoir l'utilisation de changements de strip pour à chaque fois rythmer et faire à chaque fois évoluer un peu plus le dialogue, avec notamment le fait de rythmer par « au contraire », puis « attends », et puis par une question « et mes bras », qui va à chaque fois enclencher sur un nouveau pan de la conversation. Et du coup, sur la page d'après, il y a Gilberto qui donne une drogue à Marvin pour qu'il puisse se concentrer et essayer de localiser ses bras. Et c'est toujours tous les petits détails, l'attitude de Gilberto, la manière dont est dessiné Marvin et tout ça, le fait que la petite drogue qu'il lui donne, il le laisse dans son petit sachet et que Marvin l'avale tout entier, et la manière dont sont écrits les dialogues, etc. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a une espèce d'alchimie complète dans ce qui peut se faire de tellement bien dans la bande dessinée, en termes d'ambiance, en termes de comment délivrer un dialogue, comment mettre en valeur des attitudes et tout ça. Encore une fois, c'est vraiment une alchimie qui fonctionne trop trop bien dans ce tome. En plus, vous voyez, hein, la manière dont les bras de Marvin sont attachés, comme un mouvement de prière, que ses bras sont entourés de petites fioles avec des parchemins et tout ça, tout est encore là pour nous rappeler un imaginaire ésotérique, magique, religieux et tout ça. Et du coup, ici, quand Marvin commence à déclencher son trip pour localiser ses bras, on voit une représentation de la magie qui avait été déjà installée avant, où on va mélanger différents éléments qui ne font pas sens d'un point de vue logique, physique, d'emplacement de personnages et de décors, et donc une représentation altérée de la réalité, quoi, pour montrer de la magie. Ou avant, c'était le mélange donc avec lui et ses dragons sur le bas qui émergeaient depuis le cimetière des dragons qui se trouve dans l'eau. Et ici, avec une idée de zoom et de dézoom qui se fait un peu en même temps, vu que c'est une bande dessinée, il n'y a pas vraiment une idée complète de qu'est-ce qui vient l'un après l'autre dans ce genre de case. Avec ici aussi la bulle qui commence à se déformer, on voit par rapport à la manière dont elle est dessinée habituellement, et en plus avec la queue de la bulle qui part de sa tête et qui donc nous fait comprendre aussi davantage, en plus du dessin de base et tout,
qu'on entre dans son esprit à ce moment-là. Et donc après avoir installé en fin de cette page cette bulle altérée, ça nous fait un lien graphique et narratif facile pour passer à la page d'après. Et on continue sur une évolution de la mise en scène de la bulle qui est altérée pour montrer un effet magique, avec ici directement un mélange au sein de la même bulle, deux bulles qui commencent donc normalement et qui se déforment petit à petit pour en plus montrer un dessin à l'intérieur de la bulle, avec toujours aussi utiliser le fait que la bulle a un emplacement physique dans la case et que donc on peut la placer ici dans la tête pour encore suggérer davantage cette idée de pensée. Et ici c'est aussi un moyen pour nous faire rentrer en plusieurs temps via une occupation de l'espace de l'esprit de plus en plus grand qui va finir par nous mener à une immersion complète depuis le point de vue de l'oiseau que l'esprit de Gilberto va complètement occuper. C'est marrant cette séquence, moi comme j'ai relu Berserk il y a pas longtemps, ça me fait penser à la toute première apparition de Shirk, la petite sorcière, où elle aussi elle a pris possession d'un oiseau pour voir à travers ses yeux, donc voilà, je sais pas, c'est assez marrant. Et donc voilà, sur la dernière case de cette double page, on nous montre un peu la scène plus globale qui est en position des bras de Marvin. Et donc cette dernière case, avec un plan assez précis du scribe et de ses prisonniers et de ses gardes du corps qui commencent déjà à apparaître, sont une image assez forte pour vraiment ancrer ce petit groupe. Comme ça, après, quand on a tourné la page, même si on a une remise à neuf de l'espace des pages, on a toujours ce groupe en tête et on peut se permettre de nous le montrer de manière plus éloignée. Et là, c'est marrant, la description de Gilberto, il dit que son escorte, c'est des brous, qui sont des créatures que j'adore dans des séries donjons. Et du coup, il conclut que le mage nain est un chaotique, et c'est marrant cette utilisation très brute de langage donjon et dragon qu'il avait déjà fait un peu avant, avec notamment le fait de dire un magique user, et donc qui est une traduction littérale un peu bizarre d'une classe de personnages. Et ça, je pense que j'avais vu sur Instagram, hein, que Johan Sfar, Trondheim, je sais pas trop, mais Sfar, c'est un joueur de donjon et dragon, c'est un rôliste. Et forcément, donjon, bah, rien que dans le titre et dans tout l'univers, de la manière dont tout ce type d'imaginaire réapproprié, forcément c'est un héritier de Donjons et Dragons, mais le fait de poser ces trucs là de manière aussi littérale, comme presque un maître de jeu décrirait un groupe d'ennemis à identifier pour des PJ, je trouve ça assez marrant et ça renforce un peu le côté fanboy qui réalise son fantasme de créer son univers personnel à la Donjons et Dragons et tout ça. Et que de toute façon, de manière globale, dans Donjons, il y a un peu cette idée d'à la fois reprendre des codes de maître fan très bien établis et tout ça, à la fois de manière amoureuse, de manière premier degré, tout en prenant une espèce de recul ironique, mais jamais dans quelque chose qui va se moquer de ce type d'univers, mais au contraire, parfois pousser la logique de ce type d'univers, de ce type de règles de magie, etc. Vraiment de manière jusqu'au boutiste, donc jusqu'à le pousser à l'absurde. C'est un second degré qui est permis parce que c'est réalisé par des personnes qui sont profondément amoureux et connaisseurs de ce type d'univers, et donc ils ont une espèce de surcouche méta par rapport à celui-ci. Mais ça c'est juste un aspect bien sûr, hein, parce que Donjon crée énormément de choses par lui-même, est hyper original sur plein d'aspects, crée plein de folklore hyper intéressant, etc., etc. Et avant de passer à la suite de l'analyse, petite coupure pub personnelle, j'ai lancé en ce moment une campagne Ulule pour financer ma première bande dessinée solo publiée, qui s'appelle Necrocore et qui est donc une aventure Medfan qui se passe dans des îles tropicales avec de la nécromancie, des enjeux de révolution scientifique et de partage de pouvoir qui passe à travers notamment le passage de l'alchimie à la chimie qui va influencer elle-même la manière dont les magiciens vont devoir comprendre et appréhender leur propre discipline. Et du coup, Donjon, c'est vraiment une bande dessinée qui m'a marqué, qui m'a vraiment matrixé depuis mon enfance sur les possibilités de ce qu'on peut faire en bande dessinée et qui m'a notamment renforcé dans mon amour pour le Medfan. Tu me mets une épée maudite cachée au fond d'une grange dans un petit village paumé pendant le Moyen-Âge. Moi, je suis dans mes pantoufles, je suis le plus heureux des hommes, quoi. Et du coup, dans ma BD Necrocore, on ressent une forme d'héritage de donjon, forcément. Notamment dans le ton un peu moderne des dialogues et dans un contexte Medfan. Dans ce mélange, comme j'ai déjà parlé, de à la fois de regard un peu plus extérieur et méta sur des codes bien établis, tout en les appréciant dans un amour premier degré. Et que du coup, si vous kiffez la série Donjon, ben, allez jeter un coup d'œil. Et du coup, sur la campagne Ulule, vous pouvez acheter le livre physique avec différents paliers, dont un avec une dédicace dans votre livre si vous le désirez. Et voilà, voilà, je vous remercie et on passe à la suite de la vidéo. Et du coup, pour revenir à l'histoire, on continue sur cette page avec les bulles altérées de télépathie. Et après, on s'éloigne de plus en plus du groupe qu'ils observent et on revient sur Marvin et Gilberto. Et donc aussi via des bulles avec une queue, directement donc reliées au personnage qui l'énonce. Et ce qui permet de conclure le pouvoir de la même manière qu'il avait commencé. Et c'est marrant sur cette case parce qu'on dirait vraiment qu'il est occupé de parler normalement et tout, comme il est occupé de le faire sur la case juste après. On garde quand même cette bulle pour indiquer que l'observation qu'il est occupé de faire est liée à son pouvoir magique. Et puis je trouve que ça fonctionne assez bien de ne pas mettre une coupure trop nette. Ça permet aussi de montrer une porosité entre les deux représentations, d'autant que après on va voir que Gilberto n'a pas complètement coupé le lien magique qu'il a avec l'oiseau, et donc aussi à mon avis, grâce aux effets de drogue, il est toujours à moitié plongé dans un semi-état de méditation magique, comme ça. Il est un peu constamment en trip, même sans forcément s'en rendre compte, quoi. Du coup, c'est intéressant un peu, sur tout ce passage, depuis le réveil de Marvin, de voir que comparé, par exemple, à la page qui va venir juste après, où la terre commence à exploser, ou aussi le moment de la bataille et tout ça, on voit que dans ces moments de narration plus marqués, plus spectaculaires, il y a davantage une idée de structurer sa page avec
avec des groupes de cases vraiment très distincts et très marqués, donc dans le layout de la page, tandis que dans les moments où c'était plus de la conversation, il y a toujours forcément cette idée un peu de division narrative par la gestion de la page, mais donc de manière beaucoup plus discrète parce que c'est pour un moment beaucoup plus sobre. Par exemple, on voit qu'après la bataille, pendant tout le moment de conversation et d'observation avec Gilberto et Marvin, on est uniquement sur des pages structurées en 4 strips, tandis qu'au moment de l'explosion, on arrive tout d'un coup sur une page divisée en 3 strips. Et donc il y a d'abord une routine très installée, et puis sur la page en vis-à-vis d'une de ces routines, donc ce qui permet de mettre en contraste une page de 4 strips par rapport à la page de 3 strips, parce qu'elles sont directement en vis-à-vis, et donc il y a un jeu de comparaison qui peut se faire, on arrive tout d'un coup sur une page en 3 strips, et ce qui est donc aussi la conséquence de vouloir mettre des cases plus grandes pour montrer des moments graphiques un peu plus spectaculaires, et donc c'est une cassure de la structure des pages qui accompagne la cassure de la narration, parce qu'on va passer à un moment complètement différent. Mais voilà, c'est toujours intéressant de regarder aussi de manière plus éloignée, plus globale, la manière dont sont structurées les pages pour certaines séquences de narration précises un peu plus grandes que juste sur la page en soi. J'avais fait ça dans ma vidéo sur Berserk aussi, et c'était intéressant de voir comment Miura rythmait aussi ses narrations de cette manière-là. Et du coup, comme je disais, bah, il y a Terra Amata qui va exploser, et donc ça rejoint un peu à l'enjeu de base de Marvin au début du bouquin, qui voulait discuter avec Herbert pour qu'il relâche enfin son emprise sur la planète, ce que Herbert va faire donc dans le tome qui a été dessiné par Blanquet. Et du coup, aussi pour montrer cet effet de tremblement, c'est assez bien fait. Hein. D'abord, on voit Marvin qui est vraiment montré tout en bas à la fin de la page de gauche, qui est bien pour accompagner cette idée de terre qui est occupée de s'affaisser, et puis crac dans une grande case beaucoup plus verticale, avec une espèce de typo bizarre de j'boum, comme ça, des bruits un peu rigolos. Et donc dans cette page, il y a un côté de désorientation, et donc de choses qui partent en vrille, un peu plus dans le chaos, avec les strips qui sont un peu plus zigzagants, avec les transitions très brutales, où ils vont être montrés occupés de planer dans du rouge, et puis hop, d'un seul coup, ils vont être montrés occupés de nager dans l'eau dans une longue case horizontale. Et donc sur cette case horizontale qui monte déjà un peu, c'est intéressant d'avoir mis Gilberto vraiment tout à gauche, pour montrer vraiment l'idée qu'il a encore beaucoup à progresser, et qu'il est donc coincé dans cette eau. Et puis en dessous, on repasse sur un strip aux cases verticales qui va servir à deux choses. Déjà parce qu'à la fin, il y a Gilberto qui va tomber. Et donc encore une fois, la case verticale, c'est bien pour accompagner cette idée de chute et de hauteur. Et aussi, c'est intéressant parce que le strip est déformé, un peu comme des ondulations d'eau d'ailleurs. Et il va de plus en plus s'agrandir. Et je trouve que ça accompagne super bien la narration avec le texte très tranché, très découpé, où il s'est dit, il nage vers le bas, frôlant des animaux, de l'air, et cette idée que même s'ils descendent, ils sont toujours hyper en hauteur, comme s'ils cherchent de l'air, et donc il y a une espèce d'idée d'une sensation d'étouffement, et donc de chercher à être dans un espace qui va nous libérer, quoi. Et qui va être représenté ici par les cases qui s'agrandissent de plus en plus à partir de la case où il y a de l'air au texte. Bah encore une fois, en termes de subtilité sensorielle, on va dire, dans l'expérience de la lecture, il y a vraiment, encore une fois, quelque chose qui fonctionne super bien ici. Et c'est marrant, hein, ce truc que Gilberto est occupé de voler, parce que bon, c'est un oiseau, mais il a pas d'ailes, quoi, il a des bras complètement normaux, même s'il y a son habit qui prend un peu en charge le visuel d'elle. C'est vraiment pas très logique que ce personnage soit capable de planer, parce qu'il vole pas, hein, il le dit plus loin qu'il est pas capable de voler, mais juste de planer. Mais ça aussi, c'est un truc, on l'accepte, on le voit occupé de flotter, et puis bon, voilà, basta, quoi. Et c'est vraiment trop cool, hein, cette idée, donc, d'un Armageddon, mais que le monde, il est pas détruit, il est cassé, et donc il est en plein de boue flottant dans tous les sens, et c'est tellement un moyen génial de rabattre un peu les cartes, et de créer un environnement toujours sur base du monde qu'on a créé, mais qui va s'appréhender et se représenter de manière complètement différente. Et donc ça va créer tous des nouveaux enjeux de narration et tout ça, notamment dans le tome Révolution qui est vraiment rigolo à ce niveau-là, où les personnages doivent constamment évoluer sur une espèce de mini-planète. C'est vraiment trop bien comme idée. Et comme d'hab dans Donjon, hein, même si on a une catastrophe d'ampleur horrible, le fait que ça implique probablement des millions de morts, on n'en parle pas, c'est complètement mis sous le tapis, c'est pas ce qui est important dans le récit, et voilà, basta. Enfin bref, ici on voit que l'oiseau que Gilberto a marbouté, qui est revenu vers lui, et donc avec ce visuel assez fort de fond noir avec deux ouvertures pour les yeux qui est montré, et donc comme c'est un graphisme qui normalement a marqué comme même un peu notre esprit, au moins le tour de quelques pages, ça permet de renforcer la compréhension intuitive de ce moment, même s'il est aussi un peu expliqué grâce au texte. Et pour le côté encore plus idée de tripant et de magie, et donc de représentation physique et de logique décalée, d'avoir représenté Gilberto vraiment deux fois avec deux bulles différentes pour encore appuyer cette idée de double représentation, et en plus avec un dessin qui n'a pas été copié-collé mais redessiné, donc il y a un décalage aussi dans quelque chose qui nous est montré comme un seul moment figé, mais en même temps dans lequel il y a une évolution en deux temps, ce qui est bizarre en termes de représentation temporelle, quoi. Et donc qui s'inscrit bien dans la logique d'une BD, notamment par l'idée de deux cases juxtaposées qui nous montrent deux séquences qui se suivent. Enfin bref, c'est un bon truc pour permettre au personnage de retrouver le nain et son escorte. Et du coup ici, Gilberto et le roi poussière vont s'opposer, mais Gilberto avait oublié de préciser qu'en fait c'est un nain géant et pas un simple nain, et du coup Marvin va commencer à se faire tabasser. Et donc cette séquence, c'est assez intéressant de l'avoir mis comme ça sur un strip vertical, parce que c'est bien pour l'effet humoristique. Bon, c'est toujours un peu nul d'expliquer une blague, mais je trouve que donc on va le lire ensemble, hein. Donc hola petit nain, ton escorte n'est plus vaillante, alors rends-moi mes bras ou je t'écrase, c'est un nain géant, j'ai oublié de te le dire. De quoi?
et puis Schlack, il le chope avec son fouet. Et donc c'est pas mal, je trouve, parce que ça permet le moment humoristique avec le de quoi, où Marvin se rend compte. Ça permet de mettre un plan qui ne va plus montrer le nain dedans, pour mieux le faire réapparaître juste après, où d'un coup il va l'avoir chopé avec son fouet. Mais donc ça permet de le faire disparaître sur la deuxième case, mais tout en le positionnant quand même deux fois à gauche sur le strip vertical, pour le montrer, et puis le faire réapparaître à la fois de manière brute et à la fois aussi de manière logique, grâce au lien visuel qui se fait sur la gauche. Et donc voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment bien en termes de rythme. Et ici c'est marrant parce que donc il est dans un spasme guerrier apparemment qui peut durer entre une minute et un mois. Toujours cette utilisation de quelque chose à la fois effrayant, stupide et marrant. Et donc ici, j'ai oublié de le dire, hein, si vous n'avez pas lu la BD, ou si vous vous en souvenez pas, au début du bouquin, Marvin a entièrement consommé son pouvoir de nécromancie, et donc il a perdu ce pouvoir, et en échange, il est devenu invincible. Et malgré le fait qu'il a atteint cette espèce de stade ultime du pouvoir, il en veut pas, il veut s'en débarrasser, et donc récupérer ses bras pour perdre son invincibilité. Et vraiment toujours cette logique rôliste comme ça, de chercher la faille dans le système et dans l'ensemble de règles d'un univers et de magie et tout ça qui nous est donné. Et donc voilà, dans le récit, il y a Pipistrel qui s'inquiète pour lui, mais il est invincible donc il peut pas mourir, même s'il reçoit des coups pendant un mois. Et je trouve ça intéressant la manière dont c'est dessiné ici, donc avec ce plan très éloigné, qui nous permet déjà aussi de voir un peu une scène globale, avec les brous qui essayent de récupérer leurs esclaves, une petite mouche et un pauvre petit gâteau gris. Et dans le même temps, de montrer des brous en avant-plan, avec leur armure et leur équipement un peu plus détaillé et tout ça, et en même temps au milieu, la scène d'une inscribe qui a sorti son couteau et qui le tient de main au-dessus de Marvin, et à côté le dialogue entre Gilberto et la chauve-souris. Voilà, parce que par exemple dans le dessin animé, de ce que j'ai compris en ayant un peu regardé des trucs là-dessus, c'est que sur des plans, on va te fixer ton attention sur un point précis à chaque fois, parce que les plans ne durent pas indéfiniment et qu'il faut pouvoir guider le regard du spectateur. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, on peut être dans un plan un peu complexe, avec même une image principale qui est donc ici montrée au milieu, mais on peut quand même détailler la scène et apprécier le dessin, et donc adapter un rythme qui nous correspond et qui fait aussi partie de l'expérience qu'est de lire une BD, qui n'est pas un long trajet continu sans interruption quoi. Et j'aime bien ici le fait que ce soit un dessin plus éloigné, et donc Gilberto il est vraiment dessiné avec très peu de choses, et ça accompagne bien le ton du menon qu'il dit et qui est donc écrite en écriture pas en lettres imprimées, et donc ça renforce le ton un peu détaché et second degré de ce dialogue. Et donc voilà, il y a une correspondance graphique et de ton qui fonctionne vraiment bien sur ce moment là je trouve. Et du coup, comme Marvin est invincible, le nain casse son couteau dessus, avec toujours des cases vraiment belles, des manières de dessiner Marvin qui sont trop cool. Et on revient à la fin sur une idée de comment représenter une chute dans une BD. Ici on va montrer la case qui s'agrandit par rapport à celle du dessus, avec le bleu du ciel, le vide, etc. Donc pour accentuer l'idée de quelque chose qui est occupé de chuter. Mais en plus on va y ajouter l'idée de sens de la lecture qui va donc aller de haut vers le bas, vu qu'ici on a un strip vertical, et qui donc va aussi lui accompagner et renforcer cette idée de chute. Et puis cette page, j'en avais parlé sur ma vidéo un peu généraliste sur Donjon, sur la manière dont des auteurs peuvent essayer de représenter une chute dans une BD, et notamment le moment de l'impact, avec le fait d'éviter de représenter un impact gros et fort au-dessus de la tête des personnages de la mise en page, parce que ça peut renforcer l'impression que quelque chose tombe sur la tête des personnages, et c'est pas forcément ce qu'on recherche en ces moments-là. Et ça c'est une réflexion que j'ai ces temps-ci, de me dire que moi je recherche beaucoup les liens un peu non linéaires et tout ça qui se font dans la lecture d'une BD, mais il y a aussi toute une réflexion et une mise en place importante dans le découpage d'une bande dessinée, qui est aussi donc d'éviter ces liens non linéaires entre les cases quand on ne veut pas qu'il y en ait, et que donc dans le découpage d'une bande dessinée, un élément important de la disposition des cases et la composition des images et tout ça, ça va être aussi de ne pas créer des liens parasites entre des cases quand on ne veut pas qu'il y en ait. Et ça c'est un truc plus dur à analyser parce que c'est un truc qui s'est beaucoup plus en creux, comme ici sur cette page de Lincoln, on va justement avoir cette idée d'une chute dont l'impact va être montré directement dans une case située au-dessus d'un autre strip, mais on voit que sur l'image juste en dessous, il y a un gars qui est montré, mais l'auteur a quand même laissé une assez grande distance au-dessus de sa tête avec le fond rouge et tout ça, et qu'on peut se dire qu'il a évité de faire un très gros plan sur ce personnage à ce moment-là, parce que sinon il aurait trop collé le haut de la case, et ça aurait parasité le lien sémantique qu'il y a entre ces deux cases-là. Et donc cette idée de jeu de comparaison, qui sont un mécanisme important dans le processus de lecture d'une BD, c'est aussi un outil à double tranchant, auquel il faut faire attention, parce que on risque de parfois pousser un lecteur à faire des liens de cause à effet entre des cases qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Et c'est aussi tout un pan de réflexion à avoir et d'analyse à faire sur les bandes dessinées, qui va être assez compliqué à mettre en place, mais sur lequel je vais devoir un peu plus me pencher quoi. Et donc ici ce que je disais je pense dans mon autre vidéo, c'est qu'on a de nouveau donc cette idée de case verticale mais donc qui se lisent horizontalement, donc pour accompagner l'idée d'une chute. Et en fait le scribe ici, il va y avoir un truc assez marrant, c'est que lui pour faire sa magie il doit écrire des runes sur un carnet, et donc ici il écrit une formule pour freiner la chute, sauf qu'il doit faire une faute d'orthographe et donc le chariot va à peine ralentir au lieu de s'arrêter complètement. Et du coup pour montrer cette idée de chariot qui commence à ralentir, la hauteur de la case verticale va être coupée, le chariot va être montré un peu plus haut, etc. Ça plus le trait du mouvement qui commence aussi à freiner. Et aussi toujours dans cette idée de soigner les transitions, on montre le décor qui commence à apparaître sur le bas pour après nous le faire apparaître de manière énorme dans
dans une case. Et aussi, je disais que les cases se lisaient de manière horizontale, mais ça, c'est de l'enchaînement des cases en soi, parce qu'on voit qu'au sein des cases, l'ordre des bulles nous fait aller de haut vers le bas à chaque fois. Et donc, à l'intérieur des cases en soi, il y a cette idée de processus de lecture qui va accompagner le mouvement du chariot. Sauf à la fin du strip, où cette fois-ci, on aura en plus des bulles, deux cases qui s'enchaînent de manière verticale, et qui, lui, juste avant le moment de la chute, va renforcer cette impression de descendre, quoi. Et donc voilà, tout ça, c'est une mise en place vraiment cool, vraiment bien pensée, avec à la fin de montrer un contraste de la forme des cases, en montrant plutôt une longue case horizontale qui prend toute la largeur du strip, on aurait vraiment l'idée de quelque chose qui a atterri, de la chute, de l'impact, et en plus de mettre une correspondance entre espace de la page et espace réel, avec le bas de la page qui va correspondre à l'emplacement du sol. Et je trouve ça intéressant de pas avoir montré une vue totale pour le moment sur la ville de Poupoulou, et que ça arrivera seulement plus tard, quoi, parce qu'ici, le but aussi, c'est de montrer un peu une idée de ville un peu écrasante, dans laquelle on va se perdre, dans laquelle on va pouvoir marcher à l'infini, sans jamais pouvoir en sortir. Et avec en plus le fait que Marvin suggère que normalement, il y a 3 milliards d'Olfs, donc qui sont le peuple qui habite là, qui habite cette ville pour encore renforcer cette idée d'immensité. Et c'est tout bête, hein, encore une fois, parce que moi, c'est un album qui m'a vraiment tellement marqué, que j'ai beaucoup lu. Par exemple, cette case où il y a Gilberto qui dit qu'il ne sait pas voler et qu'il plane juste, et le fait qu'il dise je plane juste, avec la tête qu'il a, avec le fait que sa bouche est fermée, son attitude et tout ça. Pour moi, cette case, elle est culte, quoi. J'adore trop. Et donc, ici, Gilberto va commencer à remettre les bras de Marvin, et donc le fait de tourner la page va prendre en charge le fait qu'il a remis les deux bras. Du coup, ici, Marvin, comme il a récupéré ses bras, il a perdu son invincibilité, et vraiment, aussi simplement, il s'est débarrassé du pouvoir ultime. Toujours ce ton de donjon de prendre des gros enjeux de manière assez légère. Et aussi, je suppose que c'est une forme de parallèle par rapport à Herbert, qui lui avait accepté le pouvoir ultime de contrôler la planète. Là où Marvin va le délaisser comme une vilaine chaussette et le considérer davantage comme une malédiction. Et par exemple, on voit de la manière dont Trondheim et Svar mettent en place donc des rythmes de narration. À la fin de cette page, le Knou il commence à se faire tuer par un invisible avec la case qui devient orange. Et hop, sur la page d'après, on reste sur l'orange et avec un plan plus éloigné, le Knou explose. Et donc, par exemple, on avait aussi ça avec le nain au moment où il brandissait le couteau. On a une action qui commence à être montrée et puis sur la page en vis-à-vis juste après, la suite et la fin de cette action. Et donc, c'est vraiment une manière de rythmer sa narration, de rythmer des séquences et aussi d'opérer des liens et donc d'accompagner la transition qui est de passer d'une page à l'autre pendant notre lecture. Et donc aussi atténuer la pression de coupure que ça pourrait faire autrement. C'est un des nombreux moyens d'utiliser deux pages en vis-à-vis dans le rythme de sa narration. Et on peut vraiment voir ça à différents moments, hein. La terre commence à se craqueler, et puis bam, elle explose sur la page d'après. Etc, etc, vous avez compris. Et donc voilà, ça c'est une des manières dont Trondheim et Svar gèrent leur narration de bande dessinée. Et c'est marrant, typiquement, genre de truc, en fait, pour faire ce genre de transition, il faut bien mettre en place les éléments dans un premier temps pour pouvoir le faire évoluer dans un second temps. Et par exemple, dans ce tome de Donjon Zénith, donc dessiné par Boulet, il y a aussi cette idée d'essayer d'opérer une transition entre dernière case de la page de gauche et première case de la page de droite. Sauf qu'ici, ça fonctionne pas du tout, par exemple. C'est vraiment un moment de découpage qui, je trouve, est raté dans son intention, où les personnages vont arriver dans un nouveau décor. Et donc, sur la dernière case à gauche, plutôt que de remplir complètement le fond en mauve, il fallait commencer à le faire apparaître petit à petit tout en le mélangeant au décor vert déjà installé pour après le faire évoluer davantage sur la page de droite. Alors qu'ici on ne le montre d'un seul coup d'une case à l'autre, il remplit tout l'espace, on sait pas trop à quoi ça correspond, on sait pas trop de quelle manière il s'intègre dans le reste du décor, etc. Et après il disparaît complètement dans une case blanche et pendant tout le premier strip à droite pour après complètement réapparaître d'un seul coup. Et c'est seulement à la toute fin de cette séquence, sur la dernière case du second strip, qu'on va avoir un mélange plus équilibré entre le décor mauve et le décor vert avec aussi le blanc du ciel et tout ça qui normalement aurait dû être là dès le début pour installer le décor avant de pouvoir se permettre d'être un peu plus permissif sur les transitions et de le faire de manière un peu plus brute. Mais ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout dans la transition entre les pages et dans l'installation du décor. Et que, enfin bref, tout ça, c'est encore une autre façon de montrer que la compréhension d'une action et de la narration d'une BD se fait aussi bien par ce qu'on représente dans les cases en soi que de la manière dont les cases vont être disposées dans l'espace de la page, et que cette gestion de l'espace va aussi influencer le contenu des cases en soi et la manière dont on va amener une scène. Et du coup, de l'histoire, ici, on est dans le Poupoulou, ce qui va permettre à Svar de partir dans tous ses délires et ses obsessions dans le décor, où il va vraiment pouvoir se relâcher, où, à mon avis, il est en total impro pendant qu'il dessine les décors, et notamment dans tout l'aspect érotique assez appuyé que, normalement, il n'y a pas chez Trondheim, par exemple, et qui va aussi se retrouver dans Le Machin du Lagon, l'album qui suit, où on va être loin de l'aspect plus pudique qu'il y a normalement dans les albums de Trondheim, et ce qui donne presque l'impression que Zénith, c'est plus l'aspect de Trondheim qui va ressortir dans cette partie de la série, et dans Crépuscule, c'est plus la personnalité de Svar qui va ressortir. Et donc ici, ils sont vraiment dans la merde, parce que donc ils sont entourés des invisibles. Parce que le truc, c'est que les Olfs et les invisibles avaient passé une espèce de pacte, où en échange de la protection de la ville, les Olfs permettent aux invisibles d'occuper les espaces dans lesquels eux-mêmes n'habitent pas, c'est-à-dire par exemple les plafonds, des choses comme ça. Et je pense que c'est la première fois qu'on introduit les invisibles dans la série Donjon, je sais même pas si on les revoit dans un autre tome ou quoi. Mais voilà, ils sont présentés comme extrêmement dangereux, extrêmement puissants. Et donc par exemple, dans cette longue case horizontale, il y a cette idée de nous montrer un grand pan du décor pour nous faire ressentir un peu cette angoisse et nous projeter dans le fait qu'ils sont probablement entourés et tapis on ne sait où
coup autour des personnages. Et le truc c'est que donc Marvin et Gilberto vont être rejoints par le scribe, qui est blessé à la main et qui donc finit par s'évanouir à cause de la morsure de Marvin. Mais donc pour pouvoir se créer un mur de protection des invisibles, ils vont devoir écrire une incantation sur un carnet de manière continue et qui consiste en écrivant 6 mots au hasard qui passent par la tête, et tous les 7e mots tu dois écrire le symbole Okma. Ce qui est donc de nouveau, encore une fois, une situation à la fois absurde, à la fois angoissante pour les personnages, et donc toujours ce mélange de débilité, d'humour et de danger quoi. Et ici le fait de changer de page prend en partie en charge la grande ellipse dans le temps. Et je trouve que si par exemple on était passé d'un strip à un autre sur la même page pour montrer la séquence de jour qui passe à la séquence de nuit, je trouve qu'on aurait moins bien ressenti cette idée de temps qui s'est écoulé grandement, vu que dans une BD, quand on passe une case à l'autre, on a toujours à peu près ou très souvent cette idée de ellipse qui se fait, de mini saut dans le temps. Et donc parfois utiliser les plus grandes différences d'espace de la page dans la suite de la lecture pour inciter à une compréhension de temps qui s'est écoulé davantage, ça peut être pas mal. Mais aussi le fait de rester sur la même double page, ça permet aussi d'opérer une continuité narrative entre les deux séquences, et donc de diminuer l'impression d'interruption qu'on aurait pu avoir si on avait tourné la page et que d'un coup il aurait fait nuit. Et ce qui fait aussi qu'ici on a une utilisation de l'unité de la page de manière plus globale, avec toute la gauche qui représente le jour et toute la droite qui représente la nuit. Il y a une espèce de logique d'équivalence qui est assez instinctive et qui fonctionne bien, et ça a un vis-à-vis, une représentation temporelle qui fonctionne bien, donc aussi à une échelle plus grande que celle de l'enchaînement des cases en soi. Mais la transition entre les deux séquences est aussi opérée donc à cette plus petite échelle par l'enchaînement des cases, comme ici. On finit la page de gauche par Gilberto qui écrit ses trucs, et on continue directement sur la page de droite. Il fait nuit, mais on est toujours de la représentation de Gilberto qui continue d'écrire. Et en plus, le petit encadré en parchemin qui nous dit 4 heures plus tard. Et donc ici, on a un autre type d'encadré narratif pour bien faire la différence avec celui qui nous avait été montré avant. Bon, ici, on a vraiment une indication beaucoup plus fonctionnelle, quoi. Et moins une idée de narrateur extérieur. Quelque chose de plus informel et qui s'éloigne encore davantage de la représentation de la bulle. Et j'aime bien le fait que dans une BD, la répétition d'une phrase va aussi souvent être la répétition de la forme de la bulle, avec ici le fait que la bulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okma, est toujours plus ou moins cette longue bulle horizontale, parce que ça renforce cette impression de répétition, de routine et tout ça. Alors que s'il avait répété exactement la même phrase, mais dans une bulle à la forme complètement différente, on aurait moins ressenti ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à peine quelques pages plus loin, on va avoir un nouveau type de répétition de phrase, où ici c'est parce que Gilberto est excité par l'endroit où il est, et donc il va répéter prends-les-moi, avec deux points d'exclamation sur la deuxième phrase pour montrer une montée en intensité dans sa parole. Mais donc ici la répétition des deux phrases est montrée au sein de la même bulle, et c'est intéressant parce que du coup on peut mettre en contraste par rapport à la mise en scène de répétition précédente, où effectivement ça aurait pu être sur une même grande bulle, qui aurait pu encore renforcer peut-être cette idée de correspondance entre le fait que ce que dit à voix haute ici Gilberto, il l'écrit, même si les mots qu'il écrit concrètement sont mis de manière plus abstraite avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que donc on aurait pu avoir une correspondance avec le fait de passer à la ligne à chaque fois, au sein d'un même espace, donc qui sera à la fois la bulle et le carnet. Mais le fait de les avoir mis dans des bulles séparées, déjà, bon, ça différencie ces deux moments de répétition de Gilberto qui sont très proches dans les pages, et c'est peut-être donc aussi un moyen de les différencier en termes d'intention de mise en scène et de propos narratif. Mais on voit quand même que la mise en scène de répétition ici est quand même mis l'une au-dessus de l'autre à chaque fois, donc on a quand même cette idée de passer à la ligne, et puis aussi ça leur permet de mettre une mise en scène où ils vont alterner des phrases de Gilberto avec les moments où il écrit. Et donc là on entre plus dans l'idée de processus de lecture, et donc la répétition de l'action vient aussi par le visuel global de la bulle qui sous nos yeux se répète, et aussi par le fait que dans notre ordre de lecture on va passer plusieurs fois sur la même bulle. Et c'est intéressant aussi parce que ce type de bulle, je pense que la majorité des lecteurs vont pas les relire à chaque fois, vont pas relire à chaque fois dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okma, à chaque fois qu'il va se présenter, mais plus va prendre l'information globale rien que d'un coup d'œil. Mais ici sur cette seconde représentation, le fait d'avoir alterné avec un je fatigue et un remplacez-moi, c'est un bon moyen de nous inciter à reprendre en compte davantage les bulles de répétition 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okma, même si on va pas forcément les lire complètement, mais on va devoir quand même les inscrire un minimum dans notre ordre de lecture et dans l'enchaînement des bulles, quoi. Qui est donc aussi un moyen de nous les faire reprendre en compte une nouvelle fois de manière différente, et donc aussi ainsi de les revaloriser par rapport à la case précédente qui nous les avait introduites. Et ici c'est marrant parce que Marvin va être dans ses vieux complexes qu'il a depuis très très longtemps, avec le fait qu'il est analphabète, et même dans une situation comme ça, il va pas oser l'avouer complètement. Ce qui est un truc assez touchant chez ce personnage, mais qui va aussi foutre Gilberto dans la merde. Et du coup ici les personnages arrivent à la maison arbre de Poupoulou, où Gilberto va péter un câble parce que ça va lui donner accès à énormément de produits à consommer, etc. Et donc les auteurs vont s'amuser à donner plein de types de noms à des herbes bizarres et tout ça, et on va notamment nommer le truc l'herbe que fume Hyacinthe dans sa pipe du destin là, celle avec laquelle il traverse les murs. Et donc c'est des herbes magiques avec plein de pouvoirs différentes, et donc il y a une espèce de name dropping comme ça qui est mis de plein de noms un peu folkloriques, ce qui est un moyen assez simple et amusant de montrer une espèce de richesse à un univers. Et ils avaient fait pareil plutôt de l'album où Gilberto reconnaît un îlot qui serait un morceau de l'archipel des girafes, qui est un endroit qu'on n'a jamais vu dans donjon, et hop c'est balancé comme ça, et c'est un moyen encore une fois facile de suggérer une espèce de richesse tout en inventant des noms marrants. Mais aussi tout ce truc des
des noms d'herbes hyper puissantes qui sont collectées, c'est aussi une mise en place pour plus loin où Gilberto va avaler tout ce qu'il a récolté d'un seul coup. Et comme d'hab, hein, donc cette imagerie ésotérique avec tous ces petits casiers notés, où c'est tellement grand qu'on ne voit pas l'entièreté du nombre de casiers qu'il y a, et on est vraiment dans un archivage alchimique, comme ça c'est vraiment cool. Et puis toujours cette cruauté légère comme ça qu'il y a dans le donjon, où le nain en fait il est mort depuis longtemps, et donc Marvin se plaint parce qu'il le trimballe depuis des plombes. Et direct Gilberto qui s'en fout complètement, et qui au contraire dit même à Marvin d'arracher le vêtement du nain pour se servir de baluchon. Et j'aime bien la tête de Gilberto à ce moment-là, où Sar a un peu l'idée de commencer à lui mettre une espèce de dentition édentée comme ça, qui fait bien ressortir son côté un peu schlag et tout. Et on voit sur la page après qu'il a repris cette idée de dessin en le déclinant un peu différemment, et vraiment de faire passer d'un coup le personnage sans dents à une bonne dentition et puis à un truc édenté, selon l'expression et la personnalité qu'il a envie de faire ressortir à son personnage, et ça fonctionne vraiment trop bien quoi. Et toujours aussi dans cette idée de Gilberto qui arrive plus à se contenir, qui est hyper excité, et il y a je pense ici la seule fois où il y a un débordement de casse de toute la BD, où c'est le bec de Gilberto qui dépasse sur les casiers d'à côté, qui est occupé de hurler, et il dit avec tout ça je deviendrai le pape international du voyage astral. Et le fait de faire déborder son bec comme ça, occupé de cracher et tout ça, toute la mise en scène renforce vraiment bien cette idée de avidité complète dans lequel il est. Et puis il y a les Olfs qui vont redébarquer, et là si on n'a pas suivi par rapport aux autres albums qui sont en parallèle de celui-ci, y a... on voit Bouboulou qui est là d'un seul coup, on sait pas trop comment ça se fait, parce qu'en fait tous les anciens porteurs de l'épée du destin ont été ressuscités à ce moment-là, et normalement si on commence par ce tome dans la trilogie de ce passage-ci, Bouboulou on l'a uniquement vu genre dans le premier tome de Donjon où Herbert se transforme en lui, mais sinon on le connaît absolument pas quoi, donc on sait pas trop ce qu'il fait là et comment il débarque, et puis aussi on les retrouve au milieu d'une conversation et d'un passage, parce que la résurrection de Bouboulou a été introduite dans la carte majeure, et c'est de nouveau ces espèces de drame qui est montré et qui est passé en grande partie sous silence, où les Olfs avaient pu entrer dans une société où il n'y avait pas un horrible dictateur pour les diriger, et donc d'être dans une société qui va se diriger vers les arts et la poésie, je pense que c'est dans la carte majeure ça. Et puis boum, d'un seul coup, retour 1000 ans en arrière avec Bouboulou qui revient, et donc cette idée de cruauté qui déborde comme ça de partout, mais qui dans le même temps n'est pas commentée par les personnages ou n'est pas sujet à réflexion, etc. Ça donne vraiment un type d'univers assez intéressant, qui fait bien ressortir un côté absurde et même peut-être un petit peu fataliste comme ça. Et du coup, comme ça, Gary Sanglant est stupide, il va directement chercher la merde avec les invisibles et rompre leur pacte. Et ça c'est à nouveau un petit détail, mais je trouve que c'est de nouveau une case ici qui fonctionne particulièrement bien dans le dialogue, dans la position du personnage qui délivre ce dialogue, etc. Il y a vraiment toutes ces petites alchimies qui fonctionnent extrêmement bien dans cette case, avec dit au ministre invisible que pour mes yeux d'au-delà, il n'est pas invisible, dit lui qui porte un chapeau grotesque. Avec aussi souvent ce ton de donjon où on va retrouver des dialogues assez gamins comme ça, qui est aussi une des marques de signature de Trondheim dans ses bouquins et de ses personnages un peu désinvoltes et nonchalants comme ça. Et voilà, c'est impossible de retranscrire tel quel l'impression de lecture que ça fait, mais ça fonctionne très bien je trouve, c'est vraiment cool. Du coup sur la page d'après, il y a Marvin et Gilberto qui veulent s'enfuir et donc ils font un poupou de papillon, et donc sur la page de droite on voit de nouveau cette idée d'éviter de montrer l'impact d'une chute quand elle est située au-dessus d'une autre case. Et puis du coup Marvin et Gilberto ils sont enfermés, mais ils ont pas la fameuse herbe dont je parlais avant, la stapamel pour pouvoir traverser les murs, et du coup ils envoient Pipistrelle pour aller chercher cette herbe là. Mais comme elle ne sait pas lire, il y a Gilberto qui lui met de la colle labique autour du cou, qui est un talisman grâce auquel il va comprendre tout apparemment, et ce qui va donc pouvoir enclencher un petit moment assez cool, notamment dans la mise en scène, où Pipistrelle va retourner à la maison arbre, mais pour mettre un peu plus d'enjeu dramatique et tout ça, et notamment pour montrer un peu de background de ce personnage qui est quand même assez mis de côté, et ben comme il a un talisman qui fait qu'il comprend tout, bah et ça va lui faire déclencher une espèce de flashback assez intense, sur un moment où il va devoir aller chercher un médicament pour sauver sa mère, et donc il y a un parallèle par rapport à l'herbe qu'il doit aller chercher pour sauver ses amis, et donc ça va mal se finir car il va arriver trop tard et sa maman sera morte. Et du coup pour montrer ce flashback c'est assez intéressant, donc on a une série, une strip avec des longues cases verticales, où on voit qu'il y a un zoom progressif qui se fait sur Pipistrelle et en même temps qui montre sa position qui descend de plus en plus. Donc aussi bah il y a un peu cette idée de plonger dans un flashback, et donc ça permet une liaison graphique et donc narrative grâce à la forme des cases qui se répètent sur un même strip, et aussi via la répétition des itérations de Pipistrelle, tout en mettant une coupure visuelle qui montre qu'on arrive à un autre passage qu'on devine être un flashback de manière assez élégante, hein, car c'est pas explicité, on le comprend grâce à la mise en scène et grâce au contexte de narration. Et voilà, c'est une narration visuelle qui montre à la fois une forme de continuité et en même temps de passage à autre chose, et qui montre bien cette idée que les gestes qu'il fait à ce moment-là, ce sont quasiment les mêmes que ceux qu'il fait dans le monde réel, et qu'il y a une espèce de double vision qui se mélange, parce que le moment où il a été chopé le rameau d'or pour sauver sa maman, ça correspond probablement à l'exact moment où il a été chopé l'herbe pour sauver ses deux amis. Et c'est vraiment beau tout ce passage où il décide donc d'aller affronter la pluie et la tempête, avec ce dessin des grosses gouttes projetées comme ça qui s'alternent
avec les gouttes dessinées en arrondi. Et donc ça donne vraiment cette impression d'accélération et de décélération entre les différents plans, qui font vraiment bien monter un peu l'intensité dramatique. Comme ça, je trouve, c'est vraiment super bien vu et ça rend trop bien graphiquement. Et puis aussi l'idée d'autopète qui est un peu montrée par l'agencement des cases, qui est un peu plus mis en désordre par rapport à d'habitude. On n'a pas des strips bien rangés, quoi. Et du coup, ce qui est bien, c'est que sur le premier strip, on a deux cases carrées, symétriques, très sobres, etc. Et qui est donc mis en contraste par rapport à l'autre partie de la page, qui elle est beaucoup plus atypique, comme j'ai dit. Et donc chacune des deux parties va pouvoir valoriser l'autre par contraste, par leur différence, et aussi ne pas se parasiter l'une l'autre, parce que la première case, que ce soit par ses dispositions, etc., par même la position de la gouttière bien au centre, est complètement désalignée par rapport à toutes les gouttières verticales qu'il y a en dessous. Enfin bref, il y a vraiment une idée de deux parties de la page qui vont se laisser respirer l'une l'autre, quoi. Et puis il y a d'autres détails, comme par exemple la première case de la seconde partie de la page en escalier. Il doit monter, donc c'est montré sur une longue case verticale, et sur la case juste après qui suit dans l'ordre de la lecture, on a au contraire une case horizontale, car il affronte la tempête dans ce sens-là. Et donc il y a une idée de case qui va s'adapter au mouvement du personnage et à l'impression d'effort qu'il doit produire pour avancer dans une direction ou une autre. Et puis justement, si on veut parler de l'ordre de lecture, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet aussi un peu de désorientation par l'agencement des cases. On est peut-être un peu perdu sur l'ordre des cases à lire, et que peut-être qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, je pense que je fais des allers-retours, du coup. Je fais des zigzags entre chacun des escaliers de cases différents. Et on pourrait induire l'idée que, du coup, il y a aussi une idée d'être balancé dans sa lecture, comme la chauve-souris est peut-être balancée par le vent de la tempête. Mais ça, c'est une interprétation qui est possible, mais que j'aurais moins tendance à vouloir appuyer. Mais c'est toujours intéressant de se dire quel est l'impact visuel un peu direct d'une mise en page, mais qu'est-ce qu'elle peut impliquer aussi dans le processus plus concret de lecture. Enfin bref, c'est des questions assez compliquées, je trouve. Et donc tout ce passage a un effet de petit conte, comme ça, de la manière dont c'est écrit, avec « Ta maman est bien malade, mon petit. Sans le rameau d'or, on ne pourra pas le sauver. Il faut le rameau d'or. » Et c'est le premier passage de ce tome qui est plus premier degré dans le ton dramatique et tout qu'il veut apporter. Parce que Donjon, je dis qu'il y a toujours une forme d'ironie, mais aussi de premier degré qui s'alternent et qui même se mélangent. Et ça donne vraiment un ton global qui permet de passer vraiment avec fluidité, de manière qui semble logique, d'un moment stupide à un moment beaucoup plus dramatique. Et donc pour amener la fin du flashback, on a un lien avec la manière dont il a été introduit dans la mise en scène, avec de nouveau une idée de zoom progressif qui se fait sur le personnage, et qui ici, donc encore une fois, on va utiliser cette fois-ci l'incitation dans le sens de lecture pour accompagner le mouvement d'un personnage, où ici donc on a une lecture descendante qui va donner l'impression que le personnage va redescendre de la hauteur du sommet de l'arbre pour progressivement rentrer chez lui. Et aussi cette fois-ci, plutôt que d'être sur le bas de la page et donc de quitter un espace, ici la descente elle est faite depuis le haut de la page, et donc c'est pour arriver sur un nouveau lieu qui est plus bas de la page. Et donc il y a vraiment cette idée de sortie et d'arrivée qui est aussi induit par l'emplacement de la page de la descente. Et après c'est intéressant parce qu'on passe de nouveau sur un strip vertical avec des longues cases, sauf que cette fois-ci elles prennent toute la largeur d'un strip. Donc c'est intéressant cette utilisation de l'espace pour montrer une continuité mais aussi une évolution dans la séquence narrative, avec donc d'abord les autres petites chauves-souris qui sont montrées à droite et les feuilles qui ensevelissent le cadavre de sa maman. Et puis tout en gardant la position de la petite chauve-souris à gauche, sur la droite on va montrer le vide de la prison pour montrer qu'il arrive trop tard et que Marvin et Gilberto ont été emportés par les Wolves. Et donc voilà, c'est une utilisation symbolique de l'emplacement des dessins dans leur case, et c'est aussi assez malin pour amener la fin de son hallucination qui, encore une fois, donc se mélangeait complètement et se superposait à son action de la réalité, et donc là, utiliser cette transition dans l'espace de deux réalités qui se confondent, tant en termes de sens qu'en termes de visuel, c'est vraiment bien fait, c'est très très cool, et c'est en plus assez cohérent avec tout ce qui nous avait déjà été montré de la représentation de la magie jusque là dans ce tome. Et du coup ici, c'est marrant parce qu'il y a deux chauves-souris qui vont mener Pipistrel au palais de justice où sont jugés Marvin et Gilberto. Et on a une mise en scène très proche de la page qui est juste à gauche en fait, avec d'abord une longue case et sur sa droite un strip vertical, et puis une évolution, un agrandissement de ces cases horizontales, et qui est donc encore une fois l'utilisation de la forme des cases et de leur emplacement pour diviser différentes séquences qui se suivent. On a d'abord les chauves-souris qui arrivent au sein de la prison, puis la sortie et leur avancée vers le palais, et puis l'évolution de cette avancée qui est montrée par l'agrandissement de la case également, qui va poser un nouveau décor où on a l'arrivée dans le palais de justice. Mais ici, cette mise en scène assez commune entre la page de gauche et la page de droite, je pense pas qu'il faut y voir autre chose qu'une manière un peu type qu'ont ces auteurs dans cet album en tout cas de faire de la narration, et que du coup c'est surtout une signature visuelle et narrative qui revient à différents moments sous différents buts. Et donc pour revenir à la scène, ici on a un peu une idée de parodie de procès avec tous des arguments hyper xénophobes, etc. Et on a Pipistrel qui prend un coup d'un garde, et donc elle va se tromper dans le petit sachet qu'elle va donner à Marvin et Gilberto. Au lieu de leur donner l'herbe pour traverser les murs, elle va leur donner le petit talisman qui fait
fait qu'on comprend tout, que les deux personnages vont se partager et manger. Et donc par rapport à ce qu'on a déjà vu avec Pipistrel, on comprend que les deux personnages vont vivre un flashback où ils vont revivre un moment fort de leur vie. Et donc le fait d'avoir déjà opéré ce truc là auparavant avec Pipistrel leur permet ici de ne pas directement montrer le moment de flashback important que va vivre Marvin, et donc d'uniquement montrer ici le point de vue extérieur, avec les Zolf qui vont constater la situation et se foutre de sa gueule de manière assez cruelle. Et ce qui va aussi permettre de montrer un truc pratique de la BD, c'est que Gilberto et Marvin vont parler en même temps, parce qu'ils vont vivre un flashback en même temps, mais on va quand même montrer leurs paroles qui s'alternent l'une après l'autre, alors qu'ils parlent pour eux-mêmes. C'est pas un dialogue où on fait une parole et puis on attend la réponse de l'autre. Et donc c'est le fait de pouvoir montrer plusieurs dialogues qui se déroulent en même temps, mais de manière distincte, et ce qui permet aussi, par exemple dans l'attaque des Titans, je vais pas montrer le contenu du dialogue parce que ça spoil, mais ça permet de faire un truc qui est pas très utilisé dans la BD, même si j'ai vu quelques fois, de montrer un dialogue principal avec en arrière-plan un sous-dialogue, un dialogue secondaire, et donc de montrer différentes conversations qui se passent en même temps et qui sont donc un potentiel assez intéressant à utiliser dans la bande dessinée, je trouve. Et du coup Marvin ici, on comprend qu'il est occupé de revivre un moment assez tragique de sa vie, au moment où Marvin a eu des enfants et il veut les voir, mais sa religion lui interdit de les voir. Et du coup pour la transition entre les deux passages, de nouveau comme Pipistrel, c'est montré sur des cases assez verticales, mais ça peu importe, l'important c'est que c'est montré sur un même strip via deux cases très semblables qui se suivent directement dans l'ordre de lecture et dans le même strip du coup, et aussi avec le placement de la tête de Marvin qui est montré au même endroit pour qu'on fasse bien le lien, qu'on passe de Marvin du présent à Marvin du passé, qui n'avait jamais été montré aussi swag. Là vraiment Sfar, il s'est dit je vais sublimer le personnage, je vais tout donner, il a jamais été aussi beau, il a jamais été aussi bien dessiné Marvin. Et donc avec ce côté très arcanique, très encore une fois ésotérique et tout ça, que c'est bien faire Sfar avec toute l'ambiance qui est posée, avec la tronche des dragons, leur costume, l'ambiance de cérémonie, leur table ronde et tout ça, c'est trop trop beau. Et voilà, du coup le côté très tribal des dragons ici rend vraiment bien. Et toujours avec la touche de cruauté marrante, avec la peau des petits lapins qui recouvre le dos de Marvin, et qui est donc un clin d'œil avec le fait qu'il avait promis au lapin de Zotamoxim, je pense que ça s'appelle comme ça, qu'il allait tuer leurs descendants. Et du coup voilà, on suppose que c'est les descendants de ces lapins-là qui sont sous son dos, et ce qui a donc traumatisé ce peuple de lapins, qui fait que dès qu'il y a un lapin rouge qui naît chez eux, ils l'appellent Marvin et ils bannissent leur village. Et le fait que cette immense tragédie qui a marqué tout un peuple part d'un moment presque anecdotique du tome 1, où t'as des lapins abrutis qui insultent un dragon, c'est vraiment très très fort et très marrant, et toujours ce côté de grandeur qui peut côtoyer à un même niveau de l'anecdotique nonchalant comme ça. Donc voilà, c'est toute la richesse du lore de Donjon qui peut être suggérée avec peu de choses, avec le nom d'une herbe, avec les cadavres des lapins sur le dos de Marvin et tout ça, et qui fait aussi que c'est tellement kiffant de lire la série Donjon. Donc voilà, c'est un moment assez tragique où du coup on apprend que comme Marvin a voulu voir ses enfants et que suite à ça une partie de ses enfants sont morts d'une maladie, bah il y a une corrélation qui est faite par rapport à leur religion en disant bah c'est la faute de Marvin, tu as bravé nos lois, du coup tes enfants en payent le prix. Et du coup voilà, le draconisme, il y a un côté un peu destructeur et très rigide de leur doctrine et tout ça. Et du coup ici Marvin, pour essayer de se faire pardonner, bah il se crève les yeux et donc on apprend pourquoi il est aveugle. Et par exemple typiquement ici on voit le bord de la case du bas qui a l'air de couler de la même façon que le sang coule de ses yeux à flot, avec ce rendu de sang qui fonctionne vraiment très bien. C'est un très beau rouge, il y a un côté épais et un peu dégueulasse comme ça de le sang qui est vraiment vraiment cool. Et du coup le format de la case va un peu accompagner ce mouvement là, et toujours dans ce mélange dramatique et d'avoir des personnages qui parlent un peu comme des sales gosses, ça fonctionne bien, ce mélange de ton à la fois un peu digne qui va contraster avec le côté sale gosse, où par exemple ici donc on a est-ce une insulte contre moi et mes enfants, et puis l'autre il lui répond il faut être éclairé pour en saisir le sel, et puis bam il lui saute à la gorge, alors ça compte pas, ça fait un peu nanani naner quoi. Et donc c'est aussi le fait que donc un dragon qui se fait insulter n'a pas le droit d'attaquer la personne qui l'a insulté, mais là comme le chef des dragons a utilisé un langage un peu fleuri, un peu sophistiqué et tout ça, et que Marvin ne l'a pas capté, bah ça lui a permis de quand même pouvoir le tuer. Donc il y a une espèce un peu d'idée de ode à la bêtise comme ça, qui est vraiment cool, et qui rejoint aussi toujours cette mentalité très donjonienne d'avoir un système de règles établi qu'on va chercher à contourner de plein de manières différentes, de manière un peu tordue, de manière un peu bas du front, etc etc. Et que du coup c'est pas étonnant qu'un des grands antagonistes de donjon, ça soit un avocat qui va arnaquer son monde en maîtrisant les règles et en jouant sur les petites lignes en bas d'un contrat, etc. Et c'est vraiment comme dans certains jeux de société ou jeux vidéo où il y a une idée de bug abuse, où il y a une faille dans les règles, et toi si t'as pas de trace, bah tu vas t'en servir en disant mais non mais c'est les règles, je fais que les appliquer, alors que c'est complètement du non fair play. Et du coup Marvin là il a tué le chef des dragons, et dans le dessin de Sfar voilà il y a toujours cette part d'étrangeté où ici Marvin qui est occupé de mâchonner le cadavre avec le flot de sang, où on sait pas trop où se situe la chair et le liquide du sang, enfin c'est un peu étrange en termes de représentation, et c'est vraiment cool. Et cette idée superbe de faire ce mélange de larmes et de sang, mais pas en mode ça va se mélanger pour se roser un peu en dégradé ou quoi, il y a vraiment deux couches de liquide différents et ça rend vraiment super bien. Et puis Marvin balance un tongue d'homme sur l'ensemble des dragons, et c'est intéressant ce tongue d'homme qui est écrit à chaque fois qu'il balance cette attaque, parce que forcément ça rappelle ce folklore dans les mangas de dire le nom de son attaque pendant que tu l'as fait, mais en même temps comme il est occupé de cracher du feu, tu sais pas si c'est lui qui crie tongue d'homme ou si c'est quelque chose de plus de purement de mise en scène comme ça, ou pour donner
donner de la personnalité à cette attaque et aussi pour renforcer son effet spectaculaire. Et j'aime bien cette espèce d'ambiguïté qu'il gardait entre les deux possibilités, quoi. Et donc tous ces trucs que la BD permet de garder ambigu en termes de représentation, de paroles, de temps, etc., qui n'ont pas besoin d'être tranchées et qui sont justement fortes et intéressantes par leur ambiguïté, par leur ambivalence, par le fait que plusieurs choses paradoxales peuvent fonctionner en même temps dans une bande dessinée. Et du coup, sur la page de droite, on repasse au palais de justice avec une logique narrative forte qui fait qu'on relie bien les deux passages, mais aussi le fait de nouveau mettre une grande case qui prend toute la longueur du strip pour renforcer le lien visuel et narratif. Et aussi, on comprend par rapport à ce qu'avait vécu Pipistrelle, où au moment où elle ramassait le rameau d'or, c'était aussi le moment où elle ramassait l'herbe pour traverser les murs, et que du coup elle vivait deux réalités en même temps. Ici, on comprend que Bouboulou, il a été mâchonné par Marvin de la même manière qu'il a mâchonné le chef des dragons. Et donc, cette idée de parallèle complet entre les flashbacks et la réalité, il y a un truc un peu bizarre quand on y réfléchit en se disant, en termes de distance, etc., comment ça se fait que ça fonctionne aussi bien. Mais peu importe, c'est un effet magique et on l'accepte comme tel, et aussi en termes de symbolique forte et tout ça, quoi. Et ici, peut-être le passage du strip à l'autre au moment où ils sortent du palais en feu pour arriver à l'extérieur, c'est peut-être le moment où ça se fait le moins bien, je trouve, la transition entre les deux passages, même si c'est pas très grave, c'est pas trop important, mais la transition entre les deux passages est un peu plus tranchée que d'habitude. Du coup, fin de page, avec un moment de montée en tension et de suspense plutôt, avec Gilberto qui a avalé toutes les drogues sans le faire exprès d'un seul coup, et donc il se passe un truc bizarre, et puis on tourne la page, et on le voit occupé de transplaner avec ce dessin vraiment assez cool, ou même les petits motifs de son habit se détachent de lui, donc c'est vraiment cool, de pousser à ce point-là l'illogisme, on va dire. Et du coup, Gilberto disparaît, puis il réapparaît quelques cases plus loin, il est abattu. Et pour comprendre ce passage, il faut avoir lu la carte majeure, et en VDV, c'est assez rare dans Donjon. Il y a forcément des liens qui se font à travers énormément d'albums, mais ici, il y avait vraiment l'idée de former une trilogie avec des événements hyper liés les uns aux autres sur une même temporalité, et qui se passent donc en parallèle les uns des autres. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était avec Les Petits Hommes et le Scramustache, où il y avait deux albums à lire l'un après l'autre pour avoir tous les enjeux d'un passage, et donc il y avait une idée de crossover entre deux séries. Je sais pas s'il y a beaucoup de BD qui ont fait ça, mais c'est assez rigolo, enfin. Mais bref, du coup, après ces deux pages, il va rester seulement trois pages de récit à Trondheim et Svar, donc il précipite un peu la fin de leur récit, où Marvin va se barrer pour aller chez Orlando, et du coup, sur la double page suivante, on va revenir avec des encadrés narratifs, qui est donc aussi un bon lien pour nous amener à de la conclusion, vu qu'on avait ouvert l'album de cette manière-là, et ce qui va aussi permettre de montrer un moment un peu plus introspectif pour le personnage de Marvin, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à la révélation qu'il a eu dans son flashback et ce qui lui a donné envie de retourner essayer de voir ses enfants, et qu'on peut mettre en parallèle aussi avec ce monde qui est cassé et donc qui s'ouvre de toutes nouvelles possibilités à un regard neuf dessus. Et c'est vraiment bien agencé, je trouve, le côté aventure, loufoque et en même temps d'avancer de personnage. Je trouve vraiment que sur aussi peu de pages et tout ça, cette narration extrêmement condensée, tout a été bien vraiment agencé, structuré, même hiérarchisé, qu'ils ont vraiment réussi à donner plein de tons différents et d'intérêt à l'album et tout ça, et c'est vraiment très très bien fait, hein. Et du coup, comme je disais, l'encadré narratif sur la première case, il va permettre d'encore mieux amener la transition narrative de Marvin qui part de Poupoulou pour arriver à la Hutte aux Esprits, et qui permet aussi de donner de l'information sur l'état du monde actuel avec « Mais quand celui-ci arriva, le trou aux esprits était vide, les entités éthérées s'étaient répandues de la réalité. » Donc voilà, ça permet de prendre en charge assez facilement de l'information qui serait plus laborieuse à apporter autrement. Et comme d'hab, je trouve que la gestion de l'humour, elle est vraiment trop cool, où du coup, quand Marvin arrive, il se parle dans un langage qu'on ne connaît pas, et donc on comprend que c'est le langage draconiste, et donc tous les dragons se disent d'abord Aoi, et puis Marvin commence à descendre, il y a Orlando qui lui dit tombe pas, c'est plein d'huile, ça va, Yakemach, pas très fort, et donc voilà, ça c'est déjà assez mignon. Et juste après, on a une nouvelle utilisation de l'encadré narratif, qui de nouveau dans cette idée d'apporter de la pure information avec les chamans ont rebaptisé la Hutte aux Esprits, et dont la suite est prise en charge par Orlando. Depuis qu'il n'y a plus d'esprit, on l'appelle la cabane de l'ennui, Stenek, comme tu le dis. Donc voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Et vraiment, je pense pas avoir vraiment vu ça ailleurs, cette manière de réussir à passer la main comme ça entre de l'encadré narratif et du dialogue, et ça fonctionne vraiment trop trop bien, c'est trop cool. Et en plus, avec cette idée de nous amener progressivement un langage qu'on ne comprend pas, mais dont le contexte nous fait quand même comprendre ce que veulent dire chacune des petites expressions. Et donc ça mélange à la fois une espèce de flou et de compréhension intuitive des différents mots, et ce qui leur donne vraiment un charme et un ton particulier qui fonctionne bien dans le moment humoristique, et de la manière dont ils vont mettre en scène ce langage dans ce petit strip, et de faire évoluer son intégration et sa mise en scène à l'intérieur du dialogue, c'est vraiment très très bien fait. Et on voit aussi, pour le côté introspectif, que Svar a fait un dessin assez mignon sur Marvin, avec des petits yeux ronds tout noirs, avec une tête vraiment très gentille, très douce comme ça, et qui nous met bien en empathie avec le personnage, c'est vraiment chouette, quoi. Et notamment l'attitude de ses mains, c'est vraiment super beau, c'est vraiment tellement délicat. Et on s'en rend pas vraiment forcément compte ici, mais c'est vraiment fait avec subtilité, parce que ce type de visage de Marvin va être repris par les dessinateurs suivants de la série Crépuscule, et là au contraire, chez eux, ça va parfois avoir tendance à m'agacer, cette surcouche de mignon et de gentillesse sur le visage de Marvin, que j'ai trouvé un peu plus forcé et malade.
maladroit, quoi. Et puis il y a Gilberto qui redébarque avec tout son gros sachet de drogue et qui est aussi un moyen de nouveau essayer d'alterner et d'alléger peut-être aussi un ton beaucoup plus premier degré, dramatique et tout ça qu'à Marvin à ce moment-là pour remettre de l'humour dedans. Et donc ça donne l'impression que les auteurs essaient d'avoir un équilibre constant, de vouloir comme rester toujours un minimum dans un ton humoristique et de jamais trop plonger dans des problèmes trop compliqués. Après tout, dans cet épisode, on a quand même ce truc-là que Marvin a été invincible et que donc ça l'intéresse pas, et puis hop, c'est jamais discuté, c'est jamais un débat de tiens, l'invincibilité, qu'est-ce que ça implique et tout ça, non. Voilà, je suis aveugle, j'ai pas de bras, j'en ai marre, débarrasse-moi de ce truc s'il te plaît, quoi. Et du coup, Marvin sort de la hutte en silence, pendant que les chamans se droguent, et ça termine sur une grande image assez belle, hein, de Terra Mata, qui est devenue une grosse boule de lave bouillante avec toutes les îles qui flottent autour d'elle. Et ce qui est aussi assez malin, c'est que cette fin de tome est mise directement en relation avec la fin de la carte majeure, parce que juste après ce passage-là, en fait, il y a Marvin Rouge qui va débarquer après sa propre petite aventure personnelle pour parler avec le Repoussière. Et donc, le Repoussière va de nouveau être interrompu dans son moment de méditation et de pouvoir un peu... savourer son somme. Mais voilà, c'est un peu l'analyse de ce tome de donjon. Au bout d'un moment, j'ai quand même davantage passé les pages, parce que sinon on allait passer un siècle, hein. Et qu'il y a certains gros principes de narration, on va dire, dans la gestion de l'espace de leurs pages chez ces auteurs, qu'une fois que tu les dis suffisamment, tu comprends un peu la logique qui va aussi se répéter, et qu'il n'y a pas forcément besoin de le réexpliciter à chaque fois. Mais vraiment, c'est... très dur à retranscrire, hein, l'impression de lecture et tout ça, les sentiments qu'on a pendant qu'on lit, et même lire à voix haute des dialogues, c'est pas ouf en réalité pour leur rendre honneur. Mais vraiment, cet album, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment une BD qui me tient vraiment à cœur. Et pour moi, c'est vraiment Sphar et Trondheim qui sont à leur pic de qualité, de créativité, de justesse de dessin, de narration, de dialogue et tout ça. Et Donjon Armageddon, c'est vraiment un grand album de BD pour moi. Il y a vraiment un alignement des astres qui s'opère dans cet album-là qu'on ne sait pas retranscrire avec des mots. Et c'est vraiment assez magique et ça me fascine. Enfin voilà, c'était mon avis sur Donjon. Encore une fois, si vous le voulez, allez jeter un coup d'œil sur ma campagne Ulule pour ma BD Nécrocorps. C'est une BD dans laquelle j'ai mis mes tripes et c'est important pour moi aussi de montrer ce que je suis capable de faire en termes de bande dessinée pour aussi un peu me valider en tant que critique tout simplement et analyste. Et que j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous dis à bientôt, hein. Salut!